Bonsoir. Allez, les amis de YouTube, vous êtes deux pour le moment. Bonsoir à vous. Je suis un petit peu en retard ce soir. Sandy, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous, Sandy, c'est gentil. Anne-Claire, merci. Cécile, bonsoir. David, bonsoir. Colette, allez, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous connecter. Je cherche Virginie, OK, Philippe, Louise. J'espère que vous allez bien. Salut Daphné, Nadine, bonsoir Marion, bonsoir Alex, bonsoir. Je vais vous positionner. Profitez-en là pour dégager tout ce que vous pourriez avoir autour de vous. Hein. Dégagez-vous un peu d'espace. On ne va pas énormément bouger, mais on va bouger un petit peu. Donc, allez, je sais pas, vous allez être au rendez-vous ce soir. S'il y en a qui ont fait la séance des mamans hier, je veux bien que vous fassiez un petit retour. C'était une séance plutôt cool, très cool même. Je ne sais pas si vous en avez parlé à vos amis. C'est vraiment des séances qui n'ont rien à voir. C'est des séances très très soft. Irène, bonsoir. Bonsoir, coach Christophe. Bonsoir, bonsoir. Sur Facebook. Nicole, j'ai pas compris la question. Est-ce qu'on est sur Facebook? Oui, il y a un live sur Facebook. Apparemment, vous êtes plusieurs à avoir des problèmes. Retrouver les lives sur Facebook, je sais pas pourquoi, j'ai eu des messages hier. Donc voilà, Laetitia, bonsoir. Ça va, Laetitia, pas de courbature d'hier. Ouda, il y a Christelle, il y a Corinne. Alors, justement, je remercie Jalila, Arati, Valérie Guyon et Isa Branco. Merci infiniment pour toutes les invitations sur le groupe. C'est bien cool, on a passé le cap des 18 000, donc ça, c'est grâce à vous. Et le groupe continue de grandir. Encore des messages très, très, très touchants de personnes qui se manifestent seulement maintenant. Je n'avais pas eu encore depuis le début, donc je pense qu'il y en a d'autres aussi. Voilà, on fera un live dans pas longtemps sur des questions-réponses parce qu'il y a eu beaucoup de questions la dernière fois qui étaient restées en attente. Donc je ferai un live. On parlera aussi de notre fameux Summer Body qui s'annonce dans pas longtemps. Et juste, j'ai pas beaucoup d'infos ce soir sur YouTube. J'ai créé hier soir les playlists. Donc, vous avez toutes les séances du confinement. Alors, après, je referai un tri dedans pour essayer de remettre d'autres catégories. Mais vous avez toutes les séances du confinement, l'après-confinement, les boosters. Pour le moment, il n'y en a qu'une. Il va y en avoir deux en fin de semaine supplémentaire. Donc, ça fera trois boosters. Vous aurez les séances maintenant. Donc, ça permettra de retrouver beaucoup plus facilement les contenus. Voilà. Et bien, on attaque, si vous voulez bien. Oui, 18h01. Je suis en retard. Allez, on va se faire un bon échauffement. Et donc ce soir, c'est circuit training. Un circuit training, donc ça veut dire qu'on va faire alternance d'efforts, cardio, renforcement musculaire, beaucoup plus ciblé sur les abdos et les fessiers. Allez, si vous êtes prêts, on va partir avec les jambes écartées. Et juste avant qu'on démarre, je suis content de vous voir. Allez, c'est parti. Écartez bien les jambes, montez les bras inspirés, relâchez, soufflez. Inspirez bien. Ah, je l'apprécie ce petit moment. Hier soir, j'ai eu la joie de retrouver aussi mes élèves en extérieur. On n'était pas plus 10, forcément, on est obligé de suivre les mesures, mais ça fait du bien de s'aérer. Mais en même temps, j'étais content d'être avec eux, on a fait un super travail, on était dehors. Et puis, très content aussi de vous retrouver ce soir, parce que voilà, c'est ma nouvelle salle de sport, ma salle at home. Je travaille de chez moi, vous êtes invités dans ces jours, c'est parfait. Inspirez. Ensuite, basculez bien le bassin, enroulez, poussez, soufflez. On fait ça encore deux fois, inspirez bien. Enroulez, expirez. Allez, une dernière fois. Parfait. Et vous revenez. On relâche. Ceux qui commencent, petit pas sur le côté comme ça, tranquillement. Les autres, on va dégager un peu plus la jambe vers l'arrière. Si vous êtes déjà en niveau un peu 2 ou 3, engagez plus les bras. Mettez-vous un peu plus en mode athlétique. Donc, je commence ce soir ici, à la coude. Petit pas, niveau 2, je dégage légèrement derrière. Niveau 3, beaucoup plus d'engagement au niveau des membres inférieurs, cuisses et surtout avec les bras et les ados. Voilà. Allez, bien plein de secondes. Secondes. Ça va être une bonne session, une bonne séance ce soir. Une bonne session, mais ça va être une bonne session de séance. Allez, 5, 4, 3. Deux, parfait. On revient ici, vous revenez à nouveau sur le petit pas côté. Simplement, vous amortissez dans les jambes de part et d'autre. Voilà. Précipitez pas le travail. Un buste bien droit. Les abdominaux serrés. Enfin, je vous ai entendu le dire par anticipation. Le périnée est serré. Oh, vous connaissez tout, il n'y a plus aucun secret.
Allez, 10 fois. Pareil, si vous êtes à l'aise, laissez partir un peu les bras. Allez, forcez sur l'expiration. 5, 4, 3, 2. On fait le transfert. Vous commencez à monter les genoux. Ou alors vous cherchez directement un peu plus haut, avec un peu plus d'intensité, en montant et en tirant sur les bras. Voilà. Alors, bien évidemment, hein, quand vous montez les bras, vous faites en sorte de bien abaisser vos épaules, que les épaules ne montent pas. Si vous êtes ici au niveau 1 et vous faites l'effort déjà de monter les genoux, c'est parfait. Allez, 10 petites secondes. Allez, c'est le moment de la journée où on va se faire du bien. Vous avez peut-être encore un peu de travail derrière, ou alors je vous le souhaite, vous avez fini votre journée. Si c'est bien, c'est de vous accorder un moment qui soit pour vous. Allez, c'est reparti. Ou le petit pas à côté et vous engagez légèrement la jambe en arrière, ou vous descendez beaucoup plus bas sur la jambe d'appui. Et cette fois au niveau 3, c'est non plus en mode athlétique avec les bras en style course, c'est un petit punch en avant. Voilà. Soufflez bien, sentez bien l'équilibre sur chaque jambe. Toujours l'engagement des ados, toujours celui du périnée. Le maintien du dos et on souffle. Allez, 15 secondes. Encore 10. Comme sur une, elle est là. Hein. Très cool. Hein. Je ralentis même. Allez, 5 fois. 4, 3, 2. Nouveau transfert pour monter les genoux. C'est niveau 1. Vous préservez un bon équilibre, surtout une bonne posture. Bien engagé au niveau du centre. Niveau 2, ben, c'est la même chose que niveau 3. Vous tirez sur les bras. Niveau 3, si vous êtes un peu plus chaud, essayez de les verrouiller. Ils sont chauds au niveau 3. Allez, tirez bien. Voilà, petit sursaut. Attention, on est quand même au but de séance. Pas de précipitation. Ni avec les appuis au sol, ni avec les bras. Pas ça avec les bras, surtout pas uniquement. On a le temps de poser et de tirer. Allez, 10 secondes. Et là, hein. Je ne l'ai pas redit, mais vous pouvez être là. 7 secondes, 6. 5, voilà. Du moment où vous faites l'effort de sentir plus joué, on monte par l'engagement du périnée, des abdos, on est au top. Enfin, c'est surtout par l'engagement des abdos. Parfait. Soit vous restez ici et vous vous efforcez à souffler le moment, soit vous mettez un petit sursaut. Allez, un peu plus en natif. C'est très bien. On va expirer, on va jouer un peu sur les 4 points. Donc, je le fais en niveau 2 et 3. Vous avancez un petit pas devant, derrière, vous revenez au milieu. Petit pas à droite. Petit pas à gauche, vous revenez au milieu, hop, et vous repartez. Devant, petit pas, derrière, petit pas, on revient au milieu, hop, transfert à droite, transfert à gauche, voilà. Au niveau 1, c'est la même chose, mais vous descendez dans les jambes. Hop, cool, en avant, sur l'espace arrière, latéralement. Là, c'est plutôt de jouer la qualité des appuis. Si vous commencez ce soir, voilà, précipitation, un coup, vous avancez pardon, en premier avec le pied droit, un coup, vous avancez en premier avec le pied gauche, hop, et bien dans les jambes. Allez, je vous invite à le faire encore 2-3 fois chacun. Soufflez. Et n'allez surtout pas trop vite. Surtout si vous débutez ce soir. C'est un phénomène de découverte. Je ne sais pas à qui va faire. Hein. Le petit bonhomme en t-shirt vert. Déjà, c'est étonnant. Il a mis de la couleur ce soir, c'est Space. Donc, méfiez-vous. Et on revient. Parfait. Là encore, soit vous restez ici sur le côté, soit de nouveau vous restez actif. Et je souffle. Allez, activez bien les bras. Activez bien les épaules. Allez, 5 fois, 4 fois, 3 fois. Niveau 1, vous montez tranquillement ici. Les talons vers les fesses. Niveau 2, en actif. Niveau 3, avec les bras. Allez, soufflez. Hop, hop. Essayez de sentir que vous tapez pas le sol. Ça ne tape pas. Hop. Très cool. Toujours dans l'équilibre des appuis, toujours dans le transfert vers le haut. Allez, notre dernière seconde, on pourra considérer que l'échauffement sera fait et on attaquera la séance. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. C'est parti. Bougez pas, mais moi je m'hydrate un petit peu. On souffle bien et on va commencer donc avec le premier exercice, si vous voulez bien. Alors ça va être simple, on va partir avec les mains au niveau des hanches. Niveau 1, vous allez venir juste ici en faisant un transfert de part et d'autre, mais vous allez légèrement, très légèrement, croiser la jambe derrière, d'accord? L'objectif, c'est surtout pas de tourner le bassin doit rester dans l'axe, bien engagé au niveau des abdos. Vous essayez de descendre simplement,
Vous contrôlez bien le périnée, la posture, et vous venez juste croiser légèrement, très légèrement. Niveau 2, ça va être la même chose. Vous descendez, orientez le bras dans la même direction. Hop. Vous mettez peut-être un peu plus de flexion sur la jambe de devant. Donc, lorsque la jambe descend, c'est surtout sans avancer le genou. Le genou n'avance pas. Vous croisez et vous descendez vraiment sur les appuis à la verticale. D'accord ? Comme si vous cherchiez à descendre les fesses en bas. Ça va claquer. Et niveau 3, et ben, c'est la même chose avec un petit sursaut. Allez. Donc, dans tous les cas, vous soignez vos alignements épaules, bassin, et à la pose du pied, aucun impact, hein, tout dans l'amorti. Allez, c'est parti. Lâchez pas vos abdos, lâchez pas le périnée. 15 secondes. Alors, vous commencez ce soir. Si c'est trop dur, vous allez le faire sur 10-15 secondes max. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les 30 secondes. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On attaque. Pied droit devant, les mains au niveau des hanches. Vous pliez la jambe d'appui. C'est sur la jambe droite que vous allez faire le travail. Vous allez reculer légèrement la jambe gauche et vous remontez. Je dépose le pied en reculant. Et lorsque le pied revient, je remonte. D'accord ? Qu'il y ait un travail cuisse-fesse. Niveau 2, c'est la même chose, sauf que vous montez le genou devant. Niveau 3, en bas et petit jump. Allez, c'est parti. Go, 10 fois. La dernière. Parfait, on est sur place, ou je marche, ou petit footing, ou un peu plus de genou. Allez, choisissez bien l'intensité. 15 secondes. Ça commence déjà à chauffer. Hein. Là, vous avez certainement senti les fessiers. Allez, 7, 6, 5, 4. On change de jambe. 3, 2, et c'est reparti. Allez. Voilà, n'essayez pas d'aller vite. Hein. Prenez le temps. Dernière fois. Parfait, le jog. Allez, et je relance vers le haut. Là, le truc qui pourrait se produire, c'est qu'on serait tout de suite dans la fatigue, à subir ce qu'on va faire, à charger inutilement. Non, le regard devant, la fierté d'être là, le contrôle et la volonté de savoir qu'on maîtrise des éléments. Donc, on est là-bas, on est grand, on est fier, et surtout, on est fier. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Troisième enchaînement. Vous ouvrez un peu plus les pieds que la largeur de votre bassin. Vous ouvrez les genoux, les pointes de pied vers les extérieurs. Vous allez commencer simplement au niveau 3. Vous avez le dos plat. Vous descendez chercher une caisse au sol. Vous engagez bien les fessiers lors de la remontée. Abdos. Vous remontez stable. Et vous présentez la caisse devant en fléchissant. D'accord ? Deux exercices. La flexion de buste. On remonte. Hop. On enchaîne avec une flexion de jambe. Niveau 2, c'est pareil. Sauf que vous descendez au niveau des genoux. On remonte. Flexion avec les fesses arrière. D'accord ? À vous de prononcer plus ou moins l'amplitude de travail. Niveau 1, gardez les mains sur les cuisses. Ici, je descends. Donc, soignez surtout la posture de votre dos. Vous revenez les jambes et vous laissez en arrière, comme si vous alliez vous asseoir. Et on revient. Hop, en avant. On souffle, on serre les abdos. Et fesses en arrière. Allez, encore un peu. En avant. On ramène. Parfait, je me mets au niveau 3, donc je descends bien. 10 secondes. Et je descends. Allez, 8, 7, 6, 5. Allez, une dernière fois de chaque. 3, 2. On va passer en mode patinage de vitesse. Vous accrochez les mains dans le dos, quelle que soit l'option. Niveau 1, vous pliez bien les jambes. Vous ne cherchez pas à marquer trop les amplitudes. Niveau 2, vous allez beaucoup plus sur les espaces. Et niveau 3, hop, petite projection. C'est un peu comme le premier. Sauf que le premier, on est croisé derrière. Là, on ne croise pas, on réceptionne. Par contre, on projette. On essaie de pousser. L'objectif de travailler sans les bras, c'est que vous allez être obligé de compenser avec les abdos pour guider au maximum, pour ne pas dévisser ni avec le haut, ni avec le bas. Donc, hyper compact au niveau des abdos. Et on souffle. Allez. Expirez bien. Gardez bien les mains dans le dos. Allez, soignez-le, cet alignement. 10 secondes. 9, allez, la qualité jusqu'au bout. 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, parfait. Je donne tout de suite l'option difficile. Le breakdance. Vous allez partir sur quatre appuis. Les mains au sol, les pieds en appui sur les mains, en appui sur les poings, pardon. Vous allez croiser votre jambe gauche vers l'intérieur. Niveau 2, vous êtes là. Le pied reste au sol, le bras monte. Niveau 3, vous levez. Tout ça, c'est archi gainé au niveau des abdos. On rassemble, hop, et le transfert en soufflant. Vous comptez 3, 1, 2, 3, et on ramène. Donc, pied, niveau 2, c'est pied au sol. Niveau 3, c'est sans que le pied touche au sol. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez mal au poignet niveau 1. Vous allez vous mettre ici, le buste hyper droit, engagé au niveau des abdos du transverse. Vous inspirez, engagez une rotation avec le haut du corps en soufflant. Et sentez la rotation, elle se produit par vos abdos. Inspirez, essoufflez. Voilà, certes, c'est plus light, mais ça vous permet de faire l'exercice sans avoir les contraintes du sol. Allez. Allez, accrochez-vous. Choisissez votre option. Mais au-delà de tourner, sentez l'engagement des abdos. Allez, 8. 5, 4, 3, 2, 1. On poursuit, je continue. Niveau 3, tout de suite, vous asseyez. Les mains sur le sol, les doigts légèrement tournés vers l'arrière. Jambes tendues, on appuie sur les talons. Vous allez exercer une pression avec les talons dans le sol. Et vous allez monter en serrant les fesses en extension de hanche. Donc, à l'arrivée, il faudrait que vous ayez les cuisses, le bassin et le buste bien alignés. On redescend tout doucement. On relâche peu à peu les fessiers et on remonte. Il faut vraiment que vous sentiez que par les fessiers, vous travaillez l'élévation du bassin. D'accord? Surtout pas ça, hein, surtout pas de vitesse. Niveau 2, c'est pareil. Jambes fléchies, vous montez. Alors, à vous de voir, selon votre mobilité, j'aime pas qu'on travaille en force. Donc, si vous ne pouvez pas arriver là, c'est pas grave. Arrêtez-vous là. Mais engagez bien les fessiers. Au dessous, tu vas te faire écraser, je te vois. Niveau 1, vous partez sur le dos, allongé, les bras le long du corps, vous montez les fesses et vous revenez sans poser sur le sol. Allez, accrochez-vous. On enclenche encore 20 secondes. Allez. Alors, par pitié, hein, quelle que soit l'option choisie, n'accélérez pas le mouvement. Engagez les muscles antérieurs, postérieurs, abdos, périnée, fessiers. Il y a aussi les ischios, l'arrière des cuisses, les adducteurs, il y a beaucoup de choses qui bossent, hein. Même les dorsaux. Allez, 15 secondes. Oxo. Allez, 10, 9, 8, mais t'as fini, oui. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Vous revenez tout de suite. On va partir manger sur le dos, les mains derrière la tête. Niveau 3, une fois que vous allez en arrière, les épaules en haut, vous allez dégager une jambe vers l'avant à 45 degrés, vous engagez un bloc le transverse, vous dégagez les deux bras vers l'arrière, les paumes de main sont rien et la poitrine reste vers le haut. Voilà, 2 secondes, vous ramenez les mains derrière la tête, vous ramenez les jambes et vous changez de jambe, vous repartez avec les bras vers l'arrière. Niveau 2, ça va être la même chose. Vous gardez les jambes ici et vous, juste, vous faites le travail sur les bras. Soufflez. Et revenez avec les mains dans la tête, d'accord? Ou une petite extension sans aller à l'extension complète. Ça, c'est autre chose à dire. Niveau 1, vous montez les épaules, vous soufflez et vous allez tirer ici les bras en avant plutôt. En soufflant. On ramène dans la tête et partez avec l'autre bras en direction de l'autre genou. Voilà. Dans tous les cas, engagez votre transverse en profondeur. Et bien les épaules contrôlées à la pesanteur. Faites le travail dans la stabilisation. Allez, j'ai confiance en vous. Je sais que c'est dur. Je sais que vous cherchez à bien faire le travail. Et c'est en cherchant à bien faire que ça va payer. C'est en s'économisant. Sinon, ça serait. Si la vie n'était que facile, il n'y aurait pas de contraintes et on n'aurait pas de fierté. Et nous, ce qu'on recherche, c'est la fierté. Le résultat, il viendra avec cette fierté-là. Alors accrochez-vous et dites-vous que c'est toujours cette fameuse équipe qui bosse ensemble. Allez, les 4 dernières. Restez focus sur l'exécution. Surtout pas de précipitation. Parfait. La dernière. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour monter. Vous faites super attention. Donc, je vous invite tout à passer sur les genoux, à plier les jambes, à stabiliser, à redresser le dos, à remonter. Niveau 1, tout de suite, pour enchaîner sur un petit cardio ici. Niveau 2. En petit sursaut et niveau 3 en jog écarté. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur la reprise d'appui,
Les jambes s'écartent comme si vous faisiez un V inversé d'une pyramide. Le sommet de la pyramide est dans le niveau du pubis. Et hop, vous jouez bien sur les appuis décalés. Vous allez travailler beaucoup plus l'extérieur des jambes. Voilà. Les moyens fixés. Allez, soufflez. 30 secondes. Monsieur Oxo. Tous les soirs, on fait le débrief après la séance. Et tous les soirs, on se dit, demain, tu ne recommences pas. Faut pas que je dise que vous m'envoyez par message que vous avez envie de le voir et tout. Si j'ai pu m'en sortir, je vais pas réussir à le contrôler. Je vais prendre un meuf. Ça va être 4 melons. Allez, soufflez. Allez, expirez bien. 15 secondes. Je vous redis bien, vous êtes au niveau 1. Restez là. Allez, vous pliez un peu plus dans la jambe. Et vous vous efforcez tous à souffler. Allez, pour ceux qui veulent se challenger, on est en poussant. Niveau 2, c'est ça. Ou alors, ça peut être en petit sursaut. À vous de choisir. Allez, 15, 12, 10, 9. Il faut que ça monte dans les tours. Il faut que ça monte le cardio là. On shoot les graisses. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Fin du premier circuit. Check et check. Parfait. Le deuxième, on va l'enchaîner un peu plus vite. Hein. Maintenant, vous connaissez un peu les focus. Je redonnerai les consignes. Il faut qu'on monte un petit peu plus dans les enchaînements. Je vous invite à voir. Alors, je sais qu'il y en a qui ne veulent pas perdre de poids. Donc, quand je dis qu'on perd les graisses, même si on présente une silhouette normale, on peut avoir un taux de mauvaise graisse. Donc, peut-être qu'on cherche à prendre du poids. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on prenne du muscle. Mais si on peut transformer une mauvaise graisse que l'on a dans le corps, ce n'est pas un mal. Hein. Donc, soyez pas en panique si je vous dis qu'on shoot les graisses. Ce n'est pas, c'est pas mauvais, même si vous n'avez pas de poids à perdre. Après, il faut restructurer d'un point de vue musculaire. Toujours le pareil. Hein. Esthétique, c'est un fait, et santé. Ça marche souvent ensemble, mais quand même, pensez esthétique et santé, et pas seulement esthétique. Allez, soufflez, je vous laisse. 40 secondes de récup, et on repart sur le circuit depuis le début, si vous voulez. Comment ça va à la maison? Jeunes gens, il y a des messieurs et des dames, hein. Je sais qu'il y a plus de 75 ans, vous imaginez quand même. Je ne sais pas où je serai, moi, quand j'aurai 75 ans. Mais franchement, sacré volonté. Hein. 60, 65, 70, 75 ans. Qu'est-ce que ça fait plaisir ce message encore. Allez, 15 secondes les amis. Inspirez. Vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là. Oui, on passe certes un bon moment ensemble. Il y a le travail. Hein. Alors, on est moins. C'est sûr qu'on est moins. 381 et 180. Mais on a un tout petit peu plus de, 100, de 500. Forcément, avec le déconfinement. Allez, 5, 4, 3. Niveau 1, c'est reparti. Niveau 2, on pousse, hop, descendez bien, marquez un peu plus les amplitudes. Et niveau 3, petit sursaut. Allez, go. Faites pas juste ça avec le bras. C'est pas ça casse. Non, c'est vraiment avec du contrôle au niveau de la sangle abdominale. Voilà. Je sens les équilibres, je sens les transferts, je sens l'engagement des abdos. Allez, 13 secondes. 13. Oui, il fait chaud ce soir. 8 secondes. Allez, lâchez pas. 3, 2, 1, c'est parti, la fente. Pied droit devant, on attaque. Niveau 3, jump. Niveau 2, juste, je présente le genou devant. Et niveau 1, je descends un peu et je rassemble le pied. Allez, 10 fois, 2. Et 2 répétitions. Lâchez pas, lâchez pas. Hop, c'est parti. Ou je marche, ou petit footing, ou tout de suite un peu plus athlétique. Allez, soufflez, soufflez. Allez, je sais que vous êtes là, je sais que vous essayez bien de faire. Chacun compose avec ses capacités. Et c'est ça qui compte. Pensez à votre périnéen. Lâchez rien. 5, 4, 3, 2, 1. Et go. Allez. Deux répètes. Dernière. Ok, histoire de la caisse. On écarte un peu plus que la largeur du bassin. Genoux pour les pieds tournés vers les extérieurs. Deux droits. On descend en bas. Hop, on remonte. Et la caisse devant. Niveau 2, c'est au niveau des genoux. Et on souffle. Et niveau 1, c'est juste en conduisant l'exercice. Main sur les cuisses. Je redresse. Et un peu les fesses en arrière. Allez. Allez, sentez la qualité du geste. Le geste, je m'en moque. Il en existe 1000 des exercices. 10 000. On pourra en faire plein. L'exercice, non, c'est pas important.
Comment vous pilotez votre exercice? Ça, oui. Quel muscle? Les postures au dos, l'abdos, le périnée, les fessiers, le contrôle, l'exécution, l'amplitude, la respiration. C'est là où je vous attends. Et c'est là où vous contrôlez maintenant les choses. Allez, une dernière fois. J'anticipe sur l'exercice suivant. Les mains dans le dos, l'alignement très linéaire. Hop, c'est parti. Niveau 1, niveau 2, plus d'amplitude. Et niveau 3, la propulsion. Allez. Allez, visualisez bien l'image. Hein. On est en finale olympique. Hop, on pousse. On y est là. Allez, c'est notre instant de gloire à nous. Si vous entendez le bruit derrière, c'est typique. Hein, qui vit sa vie. Encore une fois, comme j'ai toujours dit, ça reste ultra authentique. Allez, 4, 3, 2, 1. Et on va. Soit vous asseyez, rotation droite, gauche sur le breakdance. Allez, 3, 2, 1, hop. Engagez bien vos abdos dans la rotation. C'est important que vous arrivez vraiment à ressentir la stabilité. Allez, 10 secondes. On n'a mis pas la mobilité et la motricité, hein. Ça reste sur des mouvements naturels du corps. Parfait. On revient à nouveau. Si vous ne pouvez pas vous allonger sur le dos, vous levez les fesses. Sinon, hop, jambes tendues. Sinon, jambes fléchies. On lève. Essayez de sentir. Je me pose une seconde. Quand vous êtes en haut, sentez la co-contraction. Les abdos périnés pour le devant, les fessiers en profondeur pour l'arrière. Et dans les épaules, venez pas tout le temps ici, là, avec le haut du corps. Soyez stable. Sentez vraiment le rôle des fessiers en tant que stabilisateur. Là, en termes de force, quand ils montent, ils jouent de la contraction. Les ischios aussi. Hein. Les ischios, c'est l'arrière des cuisses. Allez, 3. Oh, j'ai tous ceux qui ont entendu là derrière l'écran. Ouais, ça va, on sait. Hein. Les ischios, c'est l'arrière des cuisses. Pardon, excusez-moi. Parfait, on redescend. On stabilise. Niveau 1, vous êtes ici. Vous partez avec les mains dans la tête. Et hop, vous venez sabrer. Bras droit sur genou gauche, bras gauche sur genou droit. Sinon, c'est la même chose. On bloque les jambes, on dégage les bras. Lorsque les bras se dégagent, je monte avec les épaules. Niveau 3, c'est avec une jambe à l'extension. Allez. Soufflez, soufflez longtemps, longuement. Et préservez la ligne d'épaule vers le plafond. Alors, ça peut être 10 répétitions, ça peut être 20 répétitions, ça peut être 30 secondes, c'est à vous de choisir. Allez, dernière fois, on stabilise, parfait, vous prenez le temps pour une fois de revenir, on remonte, vous n'êtes pas encore là, c'est pas grave, on revient à la cool, niveau 1, niveau 2, petit footing, et niveau 3, hop, la pyramide, et j'appuie sur les jambes, et j'appuie. Allez, là, vous devez sortir de zone de confort. On a un temps de récupération derrière. Vous avez la notion de l'enchaînement. Vous avez la notion de la séquence. Donc, permettez-vous d'aller un peu plus dans la difficulté, là. Pas dans la vitesse, hein. Cherchez pas à vous brûler, là. Non, juste propre. Juste efficace dans la relance. Plus de contrôle. Et je souffle. Je suis là. Pourquoi je suis là? Parce que je le veux, ce rendez-vous. Je sens qu'il me fait peut-être du bien. J'ai de l'énergie à revendre. On dit que l'appétit vient en mangeant, l'énergie vient en bougeant. Vous êtes dans le positif. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut, les amis. 15 secondes. Allez. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bing, bing, bing. Et on souffle. Ah, je vais faire ce petit check. On récupère. On est bien sûr. On a déjà fait deux tours. Il est 18h30. C'est parfait. Soufflez. Vous voyez, par exemple, là, on aurait envie de pouvoir enchaîner tout de suite, de dire on est là. Non, il faut récupérer, c'est important. Ça
c'est important pour préserver de la qualité dans le, dans la séquence suivante. On descend au niveau cardio. J'espère que vous allez aller un peu, j'espère que ce n'est pas que facile non plus. Hein. Si vous sentez qu'il y a justement une petite difficulté, c'est très bien. Après, à vous de jauger dans quelle difficulté vous pouvez osciller. Osciller. Allez, 15 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un, et ça part. Allez, go. Vous devez sentir autant les ados que les cuisses là. Hein. Voilà, vous êtes là, hein. Juste ça. Croisez légèrement l'air, très légèrement, et c'est déjà parfait. Allez, 8 secondes. Pour moi, l'exercice le plus dur, c'est la deuxième, hein, c'est la fente. Qu'elle soit jumpée ou pas, c'est la fente. Top. On inspire, on est fier. On ne pense pas à dépasser la difficulté qu'on va ressentir. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Allez, je vais se concentrer sur autre chose. Un truc qui me fait plaisir. Un truc qui me challenge. Ça peut être juste un challenge avec moi-même. Arrêtez de subir. Stop à la contrainte. Allez, 2, parfait, et c'est parti, je marche, tac, et je suis là, et je suis là, je suis rendu, je le fais en plus. Allez, expirez. Ça, déjà, la première difficulté, c'est d'être au rendez-vous. Si vous êtes là, à mon avis, c'est 70% du chemin de fait en positif. Allez, relâchez bien les épaules, 3, 2, 1, on switch. Allez, c'est parti, hop. Quand vous êtes en haut, n'écourtez pas le geste. Hein. Cherchez pas à faire ça pour repartir vite. Non. Laissez au contraire l'amplitude s'installer. 9. Et la caisse, c'est reparti. Niveau 1 tout de suite. Ouverture point de pied extérieur. Toc. Je descends. La récupération n'est pas complète au niveau cardio. Ça a du sens. Un peu plus bas, niveau 2. Et niveau 3, quasi juste en bas. Le dos est plat, niveau 3. Pensez bien. Et niveau 1, 2, 3. Abdos et périnée engagés. Il faut sentir que ça travaille, que le corps répond. Parfait, la dernière. Les mains dans le dos. Et le skater, allez, c'est reparti. Niveau 1, si vous êtes à l'aise, si vous commencez à vous familiariser, niveau 1, descendez un peu plus vers le bas dans ce cas-là. Niveau 2, marquez un peu plus les espaces. Si vous regardez les patineurs, ils ont le temps. Hein. C'est très cool, ils sont là, dans les virages, hop, avec la centre de force, centrifuge, ils se servent des bras. Mais c'est posé, c'est propre. Parfait. Et niveau 3, on déploie la jambe. C'est-à-dire qu'au moment où vous sentez la jambe se tend, elle vous emmène dans le transfert. Et bien, laissez-la vivre cette jambe. Ne ramenez pas tout de suite, faites pas ça. Non, rallongez le temps d'impulsion. 15 secondes. 10, 9, 8, 7. Allez, je souffle. Et j'absorbe mes jambes. 3, 2, 1. Parfait. Break dance. On appuie sur les mains. Je reviens sur le niveau 1. Pas décroché. Hop, bien assis. Buste droit. Inspirez, par la force des abdos, c'est parti, on tourne. Inspire, expire. Et si c'est bien fait, hein, même au niveau 1, c'est hard. Si vous travaillez bien sur les amplitudes, la mobilité du haut du corps, le travail des abdos qui produisent le geste, l'alignement des bras, l'éloignement de ces deux bras, et le contrôle de posture, ça devient chaud. Allez, 5, 4, 3, 2, c'est reparti. On redescend. Hop. La position sur le dos. On revient ici. Et on remonte. Allez, soufflez.
Enlever la prise de vitesse, hein. Ça, non. Même si vous devez monter que de 5 cm, mais c'est ce que vous êtes capable de produire aujourd'hui d'un côté de force intrinsèque, restez sur ces 5 cm, c'est très bien. Après, plus vous gagnerez en souplesse, en mobilité, en force, plus vous pourrez progresser. Mais compenser par la vitesse, ça n'a jamais été une bonne solution. Allez, construisez votre physique, construisez le mental là. Ok, c'est chaud. Mais tout ce qui se passe dans le corps, ça répond à votre volonté là-haut. Dans la commande centrale, c'est la tête qui dirige. Allez. On tient. 3, 2, 1, et c'est reparti. Allez, sur le dos. Hop. Niveau 1, toujours pareil. La main sur la tête. On inspire, on vient souffler sur le genou. Ou les pieds au sol. Hein. Vous avez le choix, c'est pas très rare, l'un ou l'autre. Niveau 2, ici. Soit vous allongez un peu, soit vous allongez les bras. On rassemble. Et niveau 3 avec l'extension de jambe complète. Allez, par contre, cherchez la difficulté en levant les épaules. Ce n'est pas juste je tends la jambe, je tends les bras. C'est les deux s'éloignent. Donc ça augmente le levier. Donc la contrainte sur les abdos est plus importante. Et vous, entre les deux, avec votre ligne d'épaule, vous cherchez à monter contre la pesanteur. Enfin, contre la gravité. Je le suis avec la différence d'ailleurs. Montez, 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 montez. Voilà, résistez bien là-haut. N'évitez pas la difficulté, c'est la complexité qui vous permettra justement de progresser. 4 répètes. Encore 2. Encore une. Parfait, on a le temps, mais toutefois, on active un peu. On remonte. Niveau 1. Niveau 2. Et niveau 3. Arrêtez. Et ça rythme. Et ça rythme. Et à l'oreille. Écoutez, c'est pas pam 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 pam, c'est pam 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 pam. Salut Christelle. Allez, soufflez bien. Bonsoir Philippe. Philippe regarde, mais est-ce que Philippe fait la séance avec nous? Même question d'ailleurs pour Christelle. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. 10 secondes, les amis. 10 secondes. Regardez droit devant vous, restez focus. C'est déjà la fin du troisième tour. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top, relax. Parfait. Expirez bien. Alors, on m'a posé la question. Mais coach, pourquoi tu ne fais pas tout? Parce que mon rôle à moi, ce n'est pas de faire la séance avec vous. Moi, je me mets en démonstration pour vous guider dans les exercices. Je ne suis pas là pour faire ma séance. Si je veux faire ma séance, bah, je vais faire ma séance. Je fais ma séance à moi, avec des objectifs pour moi ou avec ces objectifs-là, parce que grâce à vous, je me suis remis en forme aussi. Au début, quand je suis revenu, c'était pareil, je vous avais dit, je remis d'opération et j'ai repris la forme grâce à vous. Donc, ça m'a remis en pression. Et l'objectif, c'est pas que je fasse toutes les séances avec vous. L'objectif, c'est que je vous coach, que je vous donne les bonnes recommandations. Donc, voilà, la séance, elle n'est pas faite pour moi. C'est ce que j'essaie juste de traduire. Donc, vous inquiétez pas si je fais pas tout. C'est surtout pour être avec vous. Allez, soufflez bien. Expirez bien. Ça va à la maison, hein. Il y a des checks partout. Alors, j'ai cru comprendre hier soir que j'avais un décalage a priori entre mon message et le temps que moi je les vois et que je les lise. Donc, je ne sais pas de combien de temps est ce décalage. Bah, a priori, mon groupe me disait qu'il y avait un gros décalage. Mais le patineur l'a fait avec Christine. C'était celui avec les mains dans le dos. Ou alors, c'est qu'il y a un gros décalage. Allez, expirez bien. On repart dans 15 secondes. On attaque la quatrième. 5, 4, 3, 2, c'est reparti. Allez, go. Soufflez. Expirez bien. Plus la fatigue va s'accumuler, plus vous allez commencer à sentir l'effet de la fatigue, plus vous devez être vigilant dans l'exécution. Voilà. Non pas pour encore faire l'exercice, mais pour bien le contrôler. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, l'inspiration. Challenge. Je me décroche de l'inspiration, c'est autre chose. Hop, focus, je suis placé, je suis engagé, et c'est parti. 10. Allez, à la maison, je sais que vous faites le même travail, la même volonté. 9.
Et 10, parfait. Soit ici, soit le petit footing, soit je monte un peu plus. Et tout de suite dans la relance. Allez, expirez. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est reparti. C'est reparti la caisse. On ouvre, genou, pointe de pied, j'inspire. Vous avez besoin de plus de temps de récup, prenez plus de temps. Hop. Allez, le dos plat. N'oubliez jamais ces abdos, ce périnée. Allez, 5 fois. Même si le cardio étape un peu, même s'il y a de la fatigue au niveau articulaire, musculaire, sentez que vous êtes toujours là. Vous avez toujours le contrôle sur l'exécution. C'est là où vous construisez votre corps. Et là, on compte parler d'esthétique. Parfait, on revient, on remonte. Et là, on part sur le patineur. Hop, les bras dans le dos. Niveau 1, plus d'amplitude 2 et 3. Bien passer les épaules en axe, c'est hyper important. 15 secondes, allez. Sans plus, vous allez laisser le temps à l'exercice de vivre, de se mettre en place, plus d'un point de vue musculaire, vous allez en tirer les bénéfices, tant sur le gain que sur l'explosivité. Allez, 2, et la force. 1, top, break dance. C'est reparti, le sol. 3, 2, 1, go. Au niveau 2, vous n'êtes pas obligé de décoller le pied. Vous venez déposer le pied au sol. Déjà, rien que ça, c'est très bien. Ça, c'est un super exercice. Ça paraît pas. Pour la motricité et la mobilité du corps, là, vous renforcez tout. Hein. C'est polyarticulaire. Ça shoot au niveau calories et ça renforce le corps dans son ensemble. Parfait, on revient. Top, on souffle. Soit vous êtes allongé sur le dos, soit vous avez les jambes fléchies, soit vous avez les jambes tendues. Et c'est parti. Allez, soufflez, soufflez. Sentez vraiment le rôle du fessier là, dans l'extension de l'hanche. C'est les fessiers qui vous conduisent en montant. Pensez transverse. Pensez périnée. Pensez au maintien de la tête entre les épaules. À toute la ceinture scapulaire, hein, c'est le haut du corps, c'est ça, encore 3. Essayez de sentir que vous faites l'effort là aussi, de contenir, c'est un exercice en soi, ça. Je suis dans la lumière. 2, c'est mon instant de gloire, je suis face au soleil. Je fais des films tout seul, mais ça fait du bien. Essayez de me faire des films de temps en temps, vous allez voir. Moi, je suis sûr que vous en faites en plus. C'est reparti, allez, niveau 1, trajectoire verticale, je souffle, j'en ai les abdos périnés. Niveau 2, pareil, on maintient. Ramenez, essoufflez. Et niveau 3 avec la jambe en extension. Allez, la contournez pas la difficulté. Allez la chercher. Prenez l'ascendant sur elle. C'est pas elle qui a le contrôle de vous. Hein. Vous, vous ressentez un truc. Donc c'est votre interprétation à vous. Et de cette contrainte-là, vous la transformez. Parce que la ressource, c'est vous. Allez, 10. 8, plus jamais on subira, plus jamais, en tout cas moi, plus jamais je ne subirai pareil. 3, 2, 1, parfait, je reviens. Hop, c'est là où il y a des pièges, dans le temps de retour, faites attention. Et on reprend, hop, tac, tac. Mes chers voisins, je ne vais pas leur taper sur la tête. Allez, soufflez, expirez. Alors oui, je vais vous parler.
Pensez à être relâché, bien placé, donc grand. On l'a dit, on l'a redit, l'énergie, elle part du sol et elle va vers le haut, et non pas avec le poids du corps où elle vous emmène vers le bas. Dans un segment, vous avez la capacité à aller vers le haut. 15 secondes, l'oreille droite, devant, vous êtes des machines. Des machines qui gèrent tout. Des machines qui ont le droit d'avoir de la faiblesse. Des machines qui ont aussi le contrôle d'elles-mêmes. Et là, vous l'avez. Les bras en dynamique, quelle que soit l'option, hein, je ne parle pas d'intensité, hein, quelle que soit l'option, vous êtes encore là. 3, 1, parfait, on récupère. Check. Et check. On souffle. Ça fait 4 tours déjà. Hein. 44. Si vraiment vous vous sentez cuit, ou vous commencez ce soir et que vous n'avez pas envie de vous mettre à l'amende totale, restez là-dessus. 4 tours, vous pouvez déjà super fier de vous. On fait déjà généralement 3 tours quand on commence. Vous en avez fait 4, c'est parfait. Maintenant, vous voulez qu'on reste encore un peu ensemble, on fait un 5e tour. Un 5e tour. Et si vous voulez faire un 5e tour, mais encore plus soft, juste à la limite, pour vous familiariser avec l'exécution, sentir les postures, mettre moins de rythme, mais travailler encore et d'être là pour la récupération active, vous êtes avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous êtes chez vous, ici, à la Palme d'Or, nouveau restaurant du coin qui va bientôt ouvrir. Vous serez tous invités, vous recevrez une invitation privée. Alors par contre, tenue de couleur exigée. Hein. Allez, soufflez. 15 secondes. Expirez bien. Travaillez bien. Travaillez dernière. Donc la dernière, là, ça va être le challenge. Alors je dis la dernière. Après, s'il y a des gros performeurs parmi nous qui ont encore du temps ce soir, vous pouvez faire 6, voire 7 derrière. Par contre, je ne vous invite pas à aller au-dessus de 6 ou 7. Ça sera déjà très très bien. On y va. 3, 2, ça casse. Je parle de l'exercice. Hein. C'est parti. Je me mets à la place de toutes les personnes qui risquent de se connecter sur YouTube, comme ça, indépendamment de la séance, et qui vont voir un gars qui fait ça. Mon Dieu, je vais me retrouver seul au monde. Hein. C'est pas grave, j'aurais passé un bon moment avec vous. 5 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1. On a envie ou on n'a pas envie? On n'a pas envie. Et pourtant, hop, on est au-dessus de tout ça. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Allez, lancez-vous un défi perso, là. Est-ce que vous auriez aimé être en finale olympique? Est-ce que vous auriez aimé traverser l'Atlantique? Est-ce que vous auriez voulu faire une expédition un peu hors norme, là? Eh bien, c'est vous. C'est votre rôle à vous, ça. Allez, à vous choisir. Hop, et c'est reparti. Expirez bien. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. 10. Allez, 3. Ok. Top. C'est parti, la caisse. On descend. Regarde, il y a une flexion de buste en avant. On va chercher les fessiers dans l'extension et hop, on continue avec les fessiers en arrière. Et on remonte. Allez, je sais que vous êtes là. Je sais aussi que vous voulez me faire plaisir. Hein. Ça compte, ça, pour moi. Il y a ce que vous faites pour vous, il y a ce que vous faites pour moi. Moi, je suis là avec vous. Ça me fait plaisir de partager tout ça. Je vous ai dit, je transmets la passion. Et dans mes messages, pardon, dans vos messages, je sais aussi que vous êtes là aussi pour moi. C'est fort, ça. Derrière, c'est reparti, le patineur. Go. Expirez. Quand j'ai reçu 2-3 messages, je n'ai pas su comment les interpréter. Je vais essayer de regarder dans un miroir, des fois, ce que je me dis, je ne peux pas avoir une belle image. Allez, soufflez. Expirez bien. Je le prends pas mal du tout. Ne vous inquiétez pas, je rigole. Même si je suis parano, sensible, susceptible, jaloux. Je le dis, j'ai toutes les qualités du monde. Et c'est pas grave, je gère. Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez. En même temps, si j'étais parfait, l'ennui, mon Dieu. Allez, encore. 12 secondes. Cinq, quatre, trois,
2, 1, c'est parti. Breakdance, je reviens avec mes amis sur le sol. Option 1, si vous êtes toujours là. Allez, je suis avec vous. On inspire, levé droit. J'espère qu'à la maison, vous transpirez aussi. Parce que quand je mets pas mon t-shirt, alors j'ai deux ailes devant, mais ce n'est pas les ailes de Victoria Secret. Hein. Inspirez. Expirez. Allez, soufflez bien. Expirez. Dernière fois. Ok, cool. Pour partir d'ici, l'extension de hanche, si dur ça d'un point de vue mobilité, et pourtant, ça va nous apporter beaucoup de bienfaits. Niveau 2, faites les jambes fléchies. Montez. Travaillez bien contre les forces. C'est des forces que vous ne travaillez quasiment jamais, ça. Niveau 1, vous êtes au fond. Ici, enfin, je suis au fond et vous êtes au sol. Parce que si vous êtes au fond, on n'est pas bien. Allez, soufflez. Allez, c'est vraiment, vraiment de travailler à votre rythme. Encore deux. La dernière. Parfait, abdos. Et c'est reparti. On s'allonge bien, les mains dans la tête, on monte, on souffle et on y va. Go. Allez, la petite difficulté là, c'est de monter les épaules quand les bras se tendent. Si vous avez choisi l'option avec les bras tendus derrière, c'est d'aller chercher un peu plus vers le haut là. Vous allez lutter vraiment avec la gravité avec deux leviers, créés par les bras et par les jambes, si dur. Allez, 15 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Allez, c'est la dernière. On prend le temps. On remonte. Hop. On revient et c'est reparti. Allez, go. Restez bien gainé au niveau des abdos. Bien relâchez au niveau des bras. Relâchez, mais actif sur le bras. Le bras vous donne l'équilibre, vous donne l'inertie du geste. Hein. Plus que les jambes. Allez, poussez, 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 poussez. Vous risquez d'avoir des courbatures de jambes. Parce que le fait de travailler comme ça, en appui des vous sollicitez tous les muscles là, au niveau des salles à la hanche très fortement. Allez, 2 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bing ! Parfait. J'ai rien entendu, les chouchous. Cool. Super. Vous prenez le temps de voir, vous prenez le temps de souffler. On passe au sol, après on fait un petit stretch ce soir. 5 tours comme ça, c'est très bien. Un grand bravo. C'est sympa aussi de travailler la circuit, parce que ça passe beaucoup plus vite. Hein. Les séquences s'enchaînent rapidement. Allez, soufflez. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, me dire comment vous avez récupéré. C'est souvent, malheureusement, que je vois des messages qui repartent sur des publications d'il y a 2-3 jours, donc où je ne crée pas forcément le lien entre les deux. Où c'est difficile de remonter pour répondre sur ce poste-là. Donc n'hésitez pas, mettez-moi les messages peut-être sous le poste du jour, ça me permet de ressortir les messages qui sont appropriés à ce qu'on fait, ou alors en message perso, il n'y a pas de souci. Allez, tranquillement. Alors, j'espère que vous êtes bien, hein. J'espère que ça vous a fait du bien, que l'énergie fut bonne. Allez, vous allez bien vous asseoir tranquillement, vous allez croiser. La jambe, vous allez l'attraper avec le bras opposé et vous tournez les épaules. Allez, expirez bien. Parce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux choses. La fatigue vient en mangeant, l'énergie vient en mangeant, c'est vrai. Il y a surtout deux types de fatigue. Il y a la fatigue vraiment fatigue et il y a la fatigue nerveuse, qui est une mauvaise fatigue. J'avais fait une petite vidéo là-dessus d'ailleurs. Combien de fois j'ai des élèves qui arrivent le soir et même moi, on arrive à l'entraînement, on est fatigué, on est blasé, on est saoulé. On va faire du sport, on va dépenser encore plus. Donc, à répercussion, on va être deux fois plus fatigué. Et finalement, on retrouve un regain d'énergie. On a vidé tout ce qu'il y avait de mauvais. Parce que c'est une fatigue saine. C'est une bonne fatigue. On a remobilisé le corps. On a réactivé les grandes chaînes respiratoires, le cardio. On s'est détendu de l'esprit. Du coup, on ressent pas au lieu de fatiguer. On est,
Donc, comme quoi, la fatigue nerveuse, c'est un vrai poison. Hein. Donc, même si des fois, parfois, sauf quand vous n'avez pas le choix, je sais qu'on n'a pas, on n'a pas toujours le choix, mais si vous pouvez, même si vous n'avez pas envie, vous amener à faire une petite séance, même si c'est un second de séance de 10 minutes, d'un quart d'heure, vous allez voir, ça va réactiver tout le process et tout ce qui était négatif, déjà, ça peut s'estomper. Donc, le plus dur, c'est de démarrer. Hein. C'est comme tout. Hein. Le démarrage, le point d'ancrage, c'est la plus grande difficulté. Posez main dans les fesses. Soufflez bien, hein, restez cool. Hop, vous inclinez tranquillement les genoux à côté. Vous gardez les épaules de face. Là, vous étirez vraiment au niveau de la taille, le bas du dos. Dites-moi hein, comment vous vous sentez. Ouais, je me sens bien, super, super d'énergie. Ça m'a donné la patate. Du coup, te voir, ça m'a déprimé total. J'étais bien jusqu'à ce que je vois ta tête. Et là, je suis parti en dépression complète. Tu peux l'entendre. Tu peux l'entendre. Allez, changez de côté encore une fois. Bon, enfin, j'espère pas. J'espère que c'est une bonne émulation qui a conduit dans un bon partage. Allez, changez de côté. Et on est parfait. Toi, vous ne pouvez pas être sur les genoux parce que là, vous restez ici. Vous allez partir avec les bras ici. Vous inspirez bien. Et vous descendez doucement en avant, là. Et si vous sentez que ça fait mal au dos, vous posez les mains sur le sol et vous restez dos plat. Soit vous n'avez pas de problème, et dans ce cas-là, vous descendez. On pose de l'enfant, on relâche bien les bras, la tête et les épaules. Allez, sachez juste une chose que oui, je suis content de partager ces moments avec vous. Ça me fait très plaisir. Je suis fier de vous. J'espère que vous êtes fiers de vous aussi. C'est hyper important et qu'on va continuer encore comme ça longtemps. Parfait, revenez tout doucement avec les mains vers les genoux. Déposez la main sur le sol, le bras au-dessus de la tête. Que vous soyez assis sur les fesses ou sur les genoux, c'est pareil. Étirez. On change de côté. Parfait, inspirez bien. On expire. Inspirez deux fois. Expirez. Et la dernière fois, inspirez. Et relâchez, soufflez. Merci les amis. Demain, pas de séance. On se retrouve vendredi à 14h30 pour les mamans. Donc, n'hésitez pas à faire passer le message autour de vous. C'est du très live, du très soft. C'est pour prendre soin de soi et de s'accorder un peu de temps. Et nous, on se retrouve pour un booster vendredi soir, 18h. Salut à tous. Merci.